Très heureux de vous recevoir au rendez-vous de l'information sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs, les titres. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a ordonné la suspension de tous les agents publics sous mandat de dépôt. Il s'agit à travers cette décision d'appliquer les réglementations en vigueur par rapport à ce fait. L'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali a attaqué devant la section administrative de la Cour suprême la décision de sa dissolution par le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Le plaignant évoque l'abus de pouvoir dans cette décision. Les détails dans cette édition. Outre la forte chaleur et la cherté de la vie, le ramadan est un moment de profit pour les vendeurs ambulants qui se sont multipliés ces temps-ci. La Sindiakité et Aminata Koulibaly sont allés à leur rencontre. Vous en saurez plus au cours de ce journal. Bienvenue à tous. Justice, le ministre instruit la suspension des agents publics sous mandat de dépôt. En effet, dans une correspondance adressée aux procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs de la République et les juges de paix à compétence étendue, le ministre de la Justice rappelle la suspension obligatoire à chaque fois qu'un agent public est placé sous mandat de dépôt. Aminata Bachokone nous en parle. Dans sa correspondance, le garde des Sceaux dit avoir constaté que les poursuites contre les agents publics dans le cadre du détournement de biens publics sont de plus en plus fréquentes sans qu'elles ne soient assorties des mesures de suspension prévues par les textes en vigueur. Selon le ministre, les articles 62 de la loi numéro 02-054 du 16 décembre 2002 portant statut de la magistrature et 62 de l'ordonnance numéro 05-014/PRM du 22 mars 2005 portant statut du personnel du cadre des greffes et secrétaire des greffes et parquet ainsi que l'article 61 de la loi numéro 02-053 du 16 décembre 2002 portant statut général des fonctionnaires, dispose que la suspension est obligatoirement prononcée lorsqu'il est constaté que le magistrat, le greffier ou tout fonctionnaire sont placés sous mandat de dépôt. Elle prend effet à la date du dit mandat. Pour le ministre, les chefs de parquet doivent privilégier l'exercice du contrôle et veiller à rappeler cette exigence conformément aux dispositions légales, chaque fois qu'il y a délivrance de mandat de dépôt en vue de prévenir les manquements constatés. Aussi, précise le garde des Sceaux dans sa correspondance, l'action des chefs de parquet devrait porter sur les rappels des supérieurs hiérarchiques sur leur devoir de veiller à la mise en œuvre des mesures consécutives à la délivrance du mandat de dépôt. Dissous le 20 décembre 2023 par les autorités de la transition, lors d'un conseil des ministres, les responsables de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali ont attaqué devant la section administrative de la Cour suprême le 28 février 2024 la décision. Selon le président de l'Observatoire, Dr Ibrahima Sango, les faits reprochés à son organisation sont imputables à Modèle Mali qui regroupe plusieurs organisations de la société civile. Commentaire Loloma Dibati. Lors du Conseil des ministres du mercredi 20 décembre 2023, le ministre d'État, ministre de l'Administration et de la Décentralisation, a informé le Conseil des ministres de la dissolution de l'association dénommée Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali, en abrégé Observatoire. Les faits qui ont motivé cette décision sont relatives aux sources de financement des projets exécutés par l'association Observatoire. Le non-dépôt de ces rapports d'activité conformément à l'instruction relative aux dispositions communes de coordination, de suivi et de contrôle des activités des associations, etc. Depuis cette décision des autorités de la transition, l'Observatoire n'est pas resté inactif. En effet, il a déjà saisi les ministres d'État, ministres de l'Administration et de la Décentralisation par deux lettres et l'informe de sa décision de faire recours aux voies légales pour le rétablissement de son organisation.
Au vu du degré publié dans le journal officiel, l'Observatoire a décidé de saisir la section administrative de la Cour suprême le 28 février 2024 pour excès de pouvoir. L'Observatoire espère que le droit sera dit pour qu'il puisse continuer à dérouler ses activités, confirme Dr Ibrahima Sango, président de l'organisation dissoute par les autorités de la transition. Selon Dr Sango, les faits reprochés de son organisation sont imputables à la mission d'Observatoire des élections au Mali, modèle Mali, composé de plusieurs autres organisations de la société civile. Ainsi, dans sa requête adressée le 28 février 2024 à la section administrative de la Cour suprême du Mali, l'Observatoire demande l'annulation du degré numéro 2023-0834 du 29 décembre 2023 du président de la transition pour excès de pouvoir et par ricochet l'annulation de la décision de dissolution. Afin de promouvoir les droits des femmes, Care Mali et ses partenaires ont organisé un atelier de réflexion sur les stratégies de soutien et de mobilisation collective des réseaux VSLA. Cette rencontre de réflexion qui s'inscrit dans le cadre du projet Empowerment des femmes et des filles, gouvernance de la société civile, vise l'amélioration du nombre de femmes membres du réseau régional VSLA dans les instances de prise de décision nominative et élective à différents niveaux. Le compte-rendu est signé Mohamed Lamine Souba. Partager les expériences des leaders femmes avec les aspirantes, expliquer le processus électoral à plusieurs niveaux, mener une réflexion sur les stratégies d'accès aux postes de prise de décision, tels sont entre autres les objectifs de cette rencontre. Il s'agit pour le consortium Care Mali Amaprof Asaf de contribuer à accélérer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. J'apprécie le projet à sa juste valeur. Qui veut l'épanouissement des femmes, veut l'épanouissement de l'État. Tout processus de développement commence par la femme. Bon, si la femme, si on parle de l'épanouissement de la femme, on parle de la famille, de la ville même, de la République. Une initiative saluée par la direction régionale de la promotion de la femme, l'enfant et la famille. Mon message, c'est un message de satisfaction, un message de reconnaissance à l'endroit de ceux qui ont initié le projet. Et ce projet, c'est par rapport à la réflexion, réflexion pour des stratégies permettant vraiment de faire la promotion politique des femmes dans les instances de prise de décision au point de vue nominatif et au point de vue électif. Et c'est ça l'une des missions fondamentales du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Au cours de cette rencontre, plusieurs méthodes ont été utilisées pour l'atteinte des objectifs tels que les discussions de façon participative, des exposés, des questions et réponses, du brainstorming et des travaux du groupe. Actualité dans un autre registre. L'hygiène occupe une place de choix dans l'offre de soins de qualité dans nos structures sanitaires. De ce fait, elle demeure un indicateur clé dans l'évolution des hôpitaux et autres structures de santé assurées par l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé, ANAES. Pour comprendre l'impact de cette pratique sur le fonctionnement des structures sanitaires, Renouveau Télé a réalisé un reportage sur la situation d'hygiène à l'hôpital du Mali. Il est signé Bakary Mcdibé, Lassine Traoré. Nous sommes ici à l'hôpital du Mali, un fleuron de la coopération sino-malienne inauguré au mois de septembre 2010 par Fait Président Amadou Toumani Touré. Plus précisément au bloc opératoire où le chirurgien et son équipe terminent une intervention. Le patient n'est même pas définitivement sorti de la salle d'opération que les infirmières hygiénistes commencent déjà le nettoyage. Immédiatement, les instruments chirurgicaux sont immergés dans de l'eau de Javel. Ensuite, sont frottés énergiquement au liquide désinfectant le sol et la table d'opération. Ni maladie bora, dara munubi, ani mana munubi. Ni opération kera la on ne be bona e ka tabla charo kon
nogo fen fen be blogu kono an be awde kama nogo im be kabo avant que maladie ka do blogu kono mina munu be no nu serama an ba be nettoyer ni micro bu fogala wni. Mais ce ne sont pas seulement les surfaces qui sont traitées. Une fois branché, cet appareil vaporise dans le bloc un produit pour stériliser l'air. Objectif, tuer tous les microbes qui auraient pu s'infiltrer à travers l'air. Tous les 6 mois, les biologistes de l'hôpital passent le bloc au pain fin. Avec leurs instruments, ils réalisent des prélèvements à chaque endroit des salles d'opération. À chaque 6 mois, ils vont venir, ils viennent faire des prélèvements sur les équipements, même sur le personnel. Donc, c'est pour tout ça, pour diminuer le risque d'infection au bloc opératoire. La lutte contre les infections ne se limite pas seulement au bloc opératoire. Les chambres des patients sont-elles aussi nettoyées tous les jours? La moindre poussière est traquée car elle faciliterait la survie d'un germe. Des mesures qui permettent aux usagers de jouir d'un service exceptionnel. C'est depuis à 4h du matin, ils viennent nous réveiller pour qu'on puisse quitter la salle afin qu'ils procèdent au nettoyage. Et à 10h aussi, tu vas voir les gens aussi qui vont nettoyer les toilettes. Vraiment, les toilettes quand même, je suis content. Sous l'impulsion du ministère de la Santé et du Développement social, le gouvernement de la transition a adopté en 2022 une nouvelle ordonnance numéro 20-22-005-PTRM du 22 février 2022 portant création de l'Agence nationale d'évaluation et accréditation des établissements de santé. Une structure qui a pour mission d'assurer la sécurité et la qualité des soins donnés aux malades et à promouvoir une politique de développement continu de la qualité au sein des établissements de santé. L'hygiène, c'est un élément extrêmement important dans notre évaluation parce que qui parle de santé d'abord parle d'hygiène. L'hygiène étant le premier élément même de la santé. Donc de ce fait, c'est un indicateur important chez nous. Comme vous l'avez dit, nous évaluons les établissements de santé et de façon vraiment depuis plus de 20 ans à peu près, nous évaluons les hôpitaux de deuxième et troisième référence. Et là, c'est un indicateur clé parmi ça. Il occupe la 4e place au classement de la dernière évaluation menée par l'Agence nationale d'évaluation et accréditation des établissements de santé en 2022 et obtient 50% comme score en matière de conditions d'hygiène dans cet établissement. Malgré tout, des défis restent à relever au sein de l'hôpital du Mali, comme la gestion des déchets médicaux afin de consolider les conditions d'hygiène selon l'ANAES. Mais aussi la volonté d'y apporter la meilleure réponse. Un chercheur du village de Teguru a été tué dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés sur l'axe Banjagera-Bankas le lundi 18 mars 2024, rapportent nos confrères de Studio Tamani. Selon des sources locales, ces chercheurs étaient entre Djombolo et Teguru quand les assaillants ont tiré sur eux. À noter que Djombolo et Teguru sont des villages de la commune rurale de Donkobo, région de Banjagera, en proie à l'insécurité depuis plusieurs années. Selon toujours nos confrères de Studio Tamani, Bokar Touré, régisseur de la commune de Tindirma dans le cercle de Diré, est libre après 17 jours de captivité. Il avait été enlevé le 3 mars dernier par des hommes armés à moto. Les circonstances de sa libération, selon la même source, restent encore inconnues. Mais selon des sources proches de la famille, précise-t-elle, les ravisseurs sont venus le déposer devant son domicile ce 19 mars 2024, très tard dans la nuit. C'est dans les titres. Pendant le mois béni du Ramadan, nombreux sont les Maliens qui s'adonnent à de petits commerces. Si certains le font, pour juste subvenir à leurs besoins de l'Aïd El-Fitr, d'autres le font pour augmenter leur chiffre d'affaires. En ce mois de Ramadan, plusieurs produits sont rentrés en compétition sur le marché de la consommation. Le reportage est signé Lassine Diakité, Aminata Koulibaly. Le mois de Ramadan, considéré également au Mali comme le mois le plus cher. Beaucoup de personnes s'adonnent à des petits commerces pour juste parvenir à joindre les deux bouts. À l'image d'Aminata Diakité, une vendeuse de boissons au marché de Misabuku, en commune 6 du district de Bamako, les revenus générés pendant ces temps lui permettent de subvenir à ses dépenses de l'Aïd El-Fitr. Ils sont là, 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 ils sont là.
C'est seulement le mois de Ramadan que je vends des jus. Cette année, le marché est rentable. Nous arrivons à faire des bénéfices. L'argent que je gagne me permet de donner un coup de main à mon mari et résoudre certaines dépenses de la fête de Ramadan. En plus des jus de fruits, nombreuses sont les populations qui préfèrent rompre leur jeûne avec les quinquelis bachour, ce qui est d'ailleurs recommandé par nos agents de santé. En ce mois de Ramadan, le Kangaliba est en véritable expansion sur le marché, ce qui rend l'achat de ces derniers très lent. Le marché de Kangaliba est un peu lent comparativement aux années précédentes. Beaucoup de personnes le vendent ici, mais comme chacun a sa chance, nous arrivons à faire des petits bénéfices. En plus de leurs activités habituelles, beaucoup de personnes se livrent à la vente des produits de large consommation en ce mois de Ramadan. C'est le cas de Yamadoumbia, une vendeuse de menthe qui reconnaît avoir fait plus de bénéfices en ce mois de Ramadan qu'en temps normal. Durant toute l'année, c'est les fruits que je vends. Mais pendant les mois de Ramadan, j'ajoute également le menthe car c'est très consommé. Avec ça, je parviens à faire plus de bénéfices. J'associe les jus de fruits à mes marchandises à chaque Ramadan. Même si le marché est un peu lent, c'est quand même rentable. Si tu as tous les produits avec toi, tes clients n'auront pas à chercher ailleurs. À chaque mois de Ramadan, comme pour d'autres, certains profitent de l'occasion pour se faire de l'argent. C'est des bonnes guerres. Et c'est avec cet élément que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Passez une excellente soirée en notre compagnie. À demain.